Bonjour à tous et bienvenue dans les pages du Jazzophone. Alors cette semaine, pléthore de concerts dans la région, bien sûr, le plus important étant le concert que vont donner les deux trios piano, celui de Philippe Villa tout d'abord et ensuite celui de Fred Tolsnitz. Ça sera à l'espace Félix Martin à Saint-Raphaël, donc une grande soirée de piano trio jazz avec tout d'abord Fabrice Bustonnet à la contrebasse et Gérard Juan à la batterie pour le trio Philippe Villa et ensuite Stéphane Fouché à la batterie et François Galix à la contrebasse pour le trio de Fred Tolsnitz. Une soirée à ne pas rater à l'espace Félix Martin à Saint-Raphaël. Fred Tolsnitz sera de retour le lendemain, non pas au piano mais à la trompette, toujours avec Stéphane Fouché à la batterie, mais avec Robert Amiac au saxophone et Joe Kayat à l'orgue. Ça sera au Seven Blue Bar de l'hôtel Aston, avenue Félix Faure à Nice. D'autres concerts de la semaine, au consulat à Nice, 26 boulevard Victor Hugo, ce mercredi, il y aura le trio d'Éric Sampé avec Tony Sgros à la basse et Alain Ruard à la batterie, Éric Sampé à la guitare, qui propose une relecture des standards du rock et de la chanson française en trio de jazz-rock fusion. Il y aura la Galerie Depardieu ce vendredi, le Mediterranean Jazz Project du flûtiste Mohamed Bédard. À la Cave Romagnan, ce samedi, il y aura le groupe de jazz and blues Cozy Corner. Et au Cherco, cette semaine, deux concerts importants, comme tous les mardis, celui de Claudio Cittarella and Friends, Claudio Cittarella, qui sera entouré du guitariste irlandais Donald Corcoran et du batteur Gaëtan Thomas. Et en fin de semaine, au Cherco, ce samedi, il y aura le quartet de la chanteuse Tessie Peck, avec notre ami Pierre Marcus à la contrebasse. Les autres musiciens étant des guest stars que nous découvrirons ce soir-là. Voilà pour la semaine. À bientôt. Au revoir à tous.